aérienne de la ville, ça permet de s'assurer qu'il y a autant de nature que de parties minérales. Sauf que la nature, elle est derrière les murs, elle est plutôt sur l'espace privé. On a des poumons, hein, c'est le parc bordelais, c'est le jardin public, c'est les voies arborées, mais sur, j'allais dire, tout ce qui a été fait en termes de piétonnisation, on a un petit peu déficit en termes d'arbres, et c'est là-dessus qu'on veut porter notre action. C'est que le public qui vient, il est autre chose, et qui est, comme on dit maintenant, qu'il y a une expérience. Voilà. Mais c'est vrai, moi je dis, les francopholies commencent quand on descend du train. Et voilà, donc et il faut qu'il y ait aussi, faut donner du sens à ce qu'on fait. On peut être consommateur de musique, mais c'est encore mieux quand on réfléchit pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça nous apporte, que dit la chanson de nous en fait. Et je trouve que la chanson, elle reflète la société, parfois elle l'anticipe. C'est important que la ville vive au rythme du festival et que le festival vive au rythme de la ville.